Salut tout le monde, c'est FeuilleMars et aujourd'hui on se retrouve pour le 9ème épisode de ce putain de Let's Play Mass Effect 3, bitches. Donc alors, dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on avait fait les amis? Et bah tout simplement, on avait guéri le génophage. On n'avait pas menti, on avait l'autre galarien avait guéri le génophage. On avait le choix entre le flinguer ou le laisser partir. Et vous savez ce que j'ai fait? Et bah je l'ai laissé tout simplement partir. Je pense que j'ai fait le bon choix tout simplement. On a perdu le soutien des galariens, mais on a la confirmation des Krogan. Donc c'était quitte ou double. J'ai préféré prendre les gros comparé à l'intelligence. Alors on va parler à Trainer. Regardez cette carte de la galaxie. Vous savez combien de jeux de stratégie utilisent cette interface? LOL. Jeux de stratégie? Un peu. Oula. Mais la plupart sont trop clinquants. Je préfère les échecs. J'ai un jeu d'échecs en quartz rose et hématite chez moi. J'aime bien avoir quelque chose de solide en main. Oh, je joue à un jeu, j'ai elle aime bien avoir quelque chose de solide en main. J'imagine que ça ne vaut pas un lancer de grenade sur un Krogan qui charge. C'est unique. Oh la cochonne. Mais on risque pas d'avoir les os brisés. Ah la cochonne, elle aime bien avoir des trucs en main, des trucs durs en main. Donc les amis, carte de la galaxie, c'est parti. On était sur Beaning. C'est quoi cette planète? Beaning? Ah non, j'avais dû cliquer dessus sans faire exprès. Donc alors, Acturus. J'espère qu'il y a un... Oh les amis. Oh non, j'ai bien peur qu'on soit coincé. Oh, il nous faut du gaz. Ah pitié. Ah, ça pompe du gaz. Alors les amis, je pense qu'on va aller... C'est quoi ça? J'ai scanner. Trouvé quelque chose. Oh là. Oh, il y a des moissonneurs. Vite. On a trouvé un objet, les amis. Mais les moissonneurs arrivent. Ah! Voilà, c'est des décombres. Regardez! En bas à gauche. Village des moissonneurs. Donc on va vite se barrer d'ici. On va refaire un petit coup de scanner. Y'a rien. Ah! Ah! Non! Non, non, les moissonneurs, c'est bon. Vas-y, on va se barrer, les amis. Pour les cosmodésiques. Alors. Enquêter sur les éclaireurs disparus ou citadelle. La citadelle, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est là et que j'aurais dû la faire tout simplement. Je pense qu'on va la faire tout simplement. Il y a aussi un de mes abonnés qui m'a dit mais putain, mais à chaque fois tu fais des quêtes autres que la citadelle. Parce qu'en fait, en résumé, il voulait me dire qu'il y avait de l'action si je faisais la mission de la citadelle. Donc on va la faire. J'espère qu'il a raison. Hein. Donc voilà, encore une fois, on va emprunter la puissance ultime. Sur la cosmodésique Teleportation, bitch. Comme vous avez pu le voir, je suis en forme. Hein. Oh là là, hey, la zone de la citadelle. Oh, c'est beau la citadelle, je kiffe. On va faire un petit scanner. Bien évidemment, il n'y a rien. Allez, on va rentrer dans la citadelle. C'est genre le New York de Mass Effect. Le Los Angeles de Paname. Bon. Chargement, on dirait... Enfin, franchement, pour une citadelle, c'est assez bizarre. Hein. Elle est faite... horizontalement, enfin en fonction de la photo, ouais, on dirait qu'il est horizontal. Là, le titre de la mission, c'était un truc politique, là, je sais pas quoi, et vu que moi, je déteste la politique dans le jeu, hein, parce que dans la vraie vie, on est tous concernés par tout ce qui se passe, avec les élections présidentielles et tout. Ah, cinématique. Contrôle de l'Alliance, ici le SSB Normandie. Autorisation d'accoster? Contrôle de l'Alliance, ici le SSV Normandie, en route vers la baie 1-4, secteur Zakera. Sommes-nous autorisés à accoster? Oula, Cerberus. Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Même si c'était une panne, des systèmes de secours seraient activés. J'ai un mauvais pressentiment. Je vérifie donc, les cas d'urgence. La citadelle s'est fait envahir par Cerberus. Non, 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 non. Qu'avez-vous trouvé? Écoutez ça, commandant. C'est un message de détresse émis en boucle par une tour de transmission. À tous les vaisseaux, la citadelle est attaquée. Ne tentez pas d'atterrir. Cerberus contrôle les quais. J'avais dit quoi, les amis? Expédiez des renforts au QG du SSC. La station tombera avec lui. On aurait dit le commandant Bailey. Où dois-je placer le Normandie? Les quais sont pris. Déployons-nous dans la navette. Rapprochez-nous du QG du SSC.
Donc on va libérer la citadelle, les amis. Oula, j'ai cru qu'il y avait eu un freeze. Donc alors, c'est parti, les amis. J'espère qu'après ça... déjà, j'espère, d'une, que la mission... Section du commando, mais il n'y a personne. Ah, voilà, ouf. En ce moment, j'ai eu quelques freezes sur le jeu. Ça fait assez stressé, surtout en plein live. Donc, alors, d'une, j'espère qu'on aura le soutien des Galariens. Et de deux, j'espère que la mission ne sera pas trop dure et qu'elle sera bourrée d'action. Comme d'habitude, notre ami numéro 1, le lance-chakram, en niveau 5, avec bien sûr ses petits modes d'armes et tout là. Le scorpion, excusez-moi, un petit revolver, on va le mettre. Et le lance-pique Graal, qui à mon avis a l'air de gérer. Voilà, au niveau des dégâts, il est quand même full. Les autres, ouais, c'est bon. L'autre, il a son petit mantis. Ok, les amis, on est paré, on y go. Allô, libérer la citadelle. Voilà, magnifique cinématique, on voit le mini Normandie, hein, j'appelle ça comme ça, la capsule du Normandie qui va peut-être se poser. Oula. Comment ont-ils osé attaquer la citadelle, c'est ça? Enfin, franchement, ils ont du cran, hein. Un atlas qu'on va dépop rapidement. Boum. Ils sont plus que deux, hein, ça va être chaud. Oh putain, il a glissé. On prend des passages secrets assez complexes, hein, j'ai envie de vous dire. Oula, ils ont des belles armes. Voilà, c'est parti les amis, on va se poser, on va soutenir nos potes contre Cerberus. D'ailleurs, mais qu'est-ce qui lui a pris Cerberus d'attaquer, hein, la citadelle? Oula, directement. Ok vous tous, bienvenue en enfer, courez à couvert. Bienvenue en enfer. Oui, donc les amis, on est en enfer, c'est parti. Boum, bam, on commence direct avec de l'action. Oh, une tourelle. Vite la défop. On va activer le mode électricité. Oula. Bon, les amis, à première vue, c'est assez chaud. Je vous cache pas. Voilà, on l'a eu. Faut regarder sur le côté parce qu'en fait, les ennemis sont un peu partout. Ça c'est fait. On va lui faire une petite grenade. Sur le côté. Ouais, est-ce que mes potes le cover? Voilà, on va continuer. On a pris James et Garrus, hein, comme d'habitude. Franchement, ces deux mecs, je les trouve hyper puissants. Je les trouve super stylés aussi physiquement. Après, les meufs, bon, je les ai test. J'aime pas trop. Oh, putain. On va se mettre à couvert quand même parce que je voudrais pas qu'on meure aux premiers instants. Voilà. Il y a un... Et vu que j'ai mis trois armes lourdes, en fait, les pouvoirs mettent un quart d'heure à se recharger, malheureusement. Regardez, là, je viens de tirer le petit projectile. On fait charger le lance-chakram, le soldat d'associé. Oula, il a eu très très mal. Donc voilà, à première vue, on peut peut-être lui parler à lui. Ah bah non, il a pris un headshot. Oula, on m'appelle. Ah voilà, bah voilà. Ah, c'est Bailey! Tout va bien. C'est moins grave qu'il n'y paraît. C'est le mec qui est censé gérer la citadelle. La cavalerie arrive. Comment est la situation? Vous savez si les conseillers sont vivants? Ils sont dispersés. J'en saurai plus en ayant accès au terminal du SSC. Vous pouvez nous faire entrer? Ça va être chaud, hein, le mec il a dû se prendre une douille. Si personne ne me tire dessus ce coup-ci. Comment il marche, Shepard? Oh les amis, vous avez dû entendre ce mot là, Shepard, à chaque fois. Alors que c'est Shepard. J'arrive pas à le faire rentrer dans ma tête. Je sais pas, ça veut pas. Donc on attend, hein. Je sais pas ce qu'ils font. Il y a quelqu'un certainement devant. Nous y voilà. Accès au réseau du SSC de la part de Cerberus. À quoi ça va nous servir? Cerberus contrôle les canaux principaux, mais je peux en ouvrir un autre. Sans ça, nos agents n'ont ni plan ni espoir. Eh ben... Vous avez quoi? Un avertissement du conseiller Eschille. Elle devrait être ici pour voir l'exécuteur. Cette action pourrait entraîner une riposte. En voilà un euphémisme. Si elle est avec eux, elle est dans le pétrin. Oulala. Conseiller, c'est mieux que rien. C'est une trahison.
Peut-être dans le bureau de l'exécuteur. C'est une position facilement défendable. C'est parti. Une seconde. Voilà, on peut parler par Omnitech. Allez. Ok. Donc, il a branché sa Wi-Fi sans fil. Alors, on est niveau 21, les amis. Est-ce qu'on peut se booster ? Commando. Ah, voilà, on a 2 points. Oh là là, mais tout ce qu'il a, le mec. On a 2 points, mais le problème, c'est qu'on peut pas les placer, je crois. Alors, bah, on est niveau 21. On va continuer. Priorité citadelle. Faut qu'on a retrouvé la personne qui nous a trahi, je crois. C'est parti, on fait charger le lance-chatram. Comme d'habitude, je crois que ça sert à rien en fait parce qu'il y a un petit chargement. Oula, on va les prendre rapidement. Voilà, c'est fait. Boum. On entre en délicatesse avec des disques. Oula. Alors ça, franchement, le lance-chakram, c'est surtout pour ça que je le kiffe. Vous chargez, boum, et ça le hausse. Il y a un bouclier ou non, il est mort. Il y a des munitions, on va les prendre. Alors. Bon, cette mission à première vue est très facile, hein, si vous avez des armes assez cheatées. Moi, faut dire que j'ai fait... En fait, cette quête, j'aurais dû la faire... Waouh, j'aurais dû la faire en première. Oula, 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 oula. Je trouve que la tourelle est vraiment cheat aussi. Et ça, c'est pas un problème. Donc ouais, j'aurais dû la faire en première, en fait, tout simplement, parce que ça suit la continuité de l'histoire et que le génophage n'était pas obligé de guérir. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, sauver la citadelle, c'est pas prioritaire, hein, mais les mecs spawnent en haut, tiens, une disque. Voilà, on fait charger, c'est parti, on la porte. Putain, mais elle est verrouillée ou quoi? Ah, voilà. Il faut faire, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, bon, on l'a ouverte par, je sais pas comment ça marche le truc, mais j'aimerais bien qu'il existe. D'ailleurs, Apple, j'ai une idée pour vous, pourquoi vous faites pas exactement comme ça, là? Des sortes de téléphones digitales qui apparaissent dans la main là, comme quand je donne des coups d'épée. Franchement, ça pourrait bien marcher. Et... Oula, boum! Il ne voit pas. Boum! Headshot! Il dit que normalement ça leur coupe la tête. Mon abonné m'avait dit que la mission était difficile, mais pour l'instant, alors je ne vois aucune difficulté. Je trouve ça même facile. Attendez, il y a un truc. 150 points d'expérience. Cagoule de reconnaissance. Ok, on peut se mettre en mode Ezio Auditore. Si j'ai bien compris. Alors, on est où? Waouh! C'est quoi cette arme? Bon. Casier. Waouh! Putain, elle a l'air énorme. Cadavre. Pièce par pièce, pas vrai? Putain, ils ont vraiment exécuté tout le monde. On va voir s'il n'y a pas d'autre chose. Non, il n'y a rien. On a trouvé des crédits, bon c'est cool, mais ça ne sert absolument à rien à part pour prendre des armures, mais je sais pas si je vais acheter d'autres armures. Donc, oula, plein d'impact de balles. Oh, oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a pas son iPod. Oula. On va passer de l'autre côté, à mon avis, il devait faire quelque chose avec son iPod. Qu'est-ce qui se passe là? On peut modifier son stuff. On va voir l'arme quand même. Non, on l'a vu les amis, au niveau des stats, c'est bien moins puissant que le lance-chakram. N'hésitez pas surtout à fouiller, hein, mais vraiment, il faut vraiment fouiller toutes les salles pour voir si vous n'avez rien raté tout simplement. Aussi, autre chose, on est dans un ascenseur, super, super, mes potes sont là. J'ai trouvé que le week-end de 4 jours, là, de la Pentecôte, je sais pas quoi, là, je trouve que ça passe hyper vite, enfin... Je sais pas si vous avez remarqué, mais les jours autres que les cours, ils passent à la vitesse mais de la lumière. Hein, mais sérieusement, les cours, on dirait genre une heure de philosophie, mais on dirait 10 heures dans la vraie vie. Alors que une heure dans le week-end, vas-y, ça passe en 2 secondes. Vous êtes vivant ? Donc voilà, je sais pas. En fait, Dieu devrait modifier ce petit problème. Je crois qu'il a mal géré le temps. En fait, quand on s'amuse, le temps passe beaucoup trop vite. Et quand on s'amuse pas, voilà, ça ralentit tout simplement. Il aurait dû faire l'inverse en fait. Quand on s'amuse, là, comme je fais là, ça devrait être au ralenti. Oula, mais hey, y a vraiment des équipements partout. En fait, on fouille la citadelle carrément. On va essayer. Oh punaise. M25 frelon. Hey, mais les amis, on a loot combien d'armure en quelques secondes, hein? Il y a des trucs partout. Quoi?
Dans un MacBook, j'ai trouvé 6 une crédit. Et bah putain, le mec il a bien écouté. Dynamisé. T'es mort, boum. Unstop, baby. Alors, au niveau des... Vous savez, avec mes potes de la... De Live Genius, on a lancé une mini-série dans la peau 2. Franchement, mais sérieusement, si vous avez des idées de personnages incarnés ou quelque chose d'autre, n'hésitez pas à nous le dire, à me MP tout simplement. Et franchement, ça pourrait m'aider parce que là, je suis un peu en manque d'idées. Bon, j'ai plein de dans la peau en stock, mais il y aura un moment où je serai en saturation. Sachant que les classes de Call of doivent suivre. Parce qu'il faut que ça soit réalisable sur Call of Duty. Des unscopes, oula, j'ai explosé tout le monde. Je suis sûr qu'il y a un équipement juste en face là, ici là, on va aller le chercher. Et boum, fusil de précision mode perforant 1. Alors mais pas, oula, infirmerie, bon, des points d'expérience. Franchement, l'abonné qui m'a dit que c'était difficile, bon, d'une c'est pas difficile, mais au niveau de l'XP et tout ce qui va avec, on va avoir une cinématique. Je trouve que c'est vraiment bien au niveau de l'XP, des équipements, des armures, on trouve vraiment un max de trucs. Ben, oula. On dirait qu'ils ont eu l'exécuteur et deux gardes du corps galarien. Oula. Bon sang. Ok, cherchez encore. Si vous ne voyez pas le corps du conseiller, c'est qu'elle est vivante. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, la mission est assez calme. Oh, la traître! Eh, à chaque fois, les galariens, ils foutent la merde. Galérien, boum. Génophage, boum. Elle est là. C'est qui? C'est qui? Oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr qu'on aura un choix. C'est une femme. Shepard, il va tous nous tuer. Ça reste à voir. Je parle d'Oudina, c'est à commenter. Les autres conseillers vont droit dans un piège. Trois contre un, mon pote. C'est la fin. Non, on va s'amuser. Oh putain, il a l'air grave fort. Je suis sûr que c'est un boss, les amis. Il va la tuer. Et voilà. Elle est vraiment bête, hein. Elle se met invisible, elle meurt. Cool courser, là. Allez, cours. Voilà. Cinématique, magnifique, hein. Oula, il a fait un saut. Bien évidemment, il y a son scooter de l'air. Le conseiller, qu'est-ce qui se passe là-haut, bon sang? Elle est morte. Il y a un assassin, il prend la fuite. Il doit être aux trousses du reste du conseil. Faites tourner l'info. Oudina tente de s'emparer du pouvoir. Je dois atteindre les conseillers. Donc, il l'a laissé par terre. Pour navette sur le présidium. Vous pouvez démarrer. J'essaie de les contacter. Ça va, tranquille, hein. Petit chargement. Putain, l'armure, elle est vraiment belle. Bon travail, Bailey. Nous y sommes presque. Putain, le mec, il a une Ferrari, là. Ferrari du futur. On se poursuit, je crois. C'est qui? Eh, c'est un ninja, le mec. Oh là, j'avais dit quoi? Il a un sabre. C'est quoi, ce mec? C'est pire que... Waouh, hey, il est hyper fort. Hey, je le vois en allié. Waouh, il y a sa femme qui l'attend. Bon, on va se fâcher, les amis. Oh non, il faut faire quelque chose, Shepard. On va se fâcher. Fais quelque chose. Là, c'est chaud, il nous manque une aile. Mais ils ont pas l'air stressés. Wouah! Putain. En tout cas, les airbags, ils sont puissants, hein, pour cette époque. Donc voilà, on a quelques côtes cassées. On a up niveau 22. Je suis à pied à présent. Avez-vous pu contacter le conseil? Ah, mais le mec, c'est vraiment mal. Oula! Oh putain, des fantômes! Oh! Ah, c'est bon, heureusement que je l'ai explosé direct.
En résumé, les fantômes, c'est les meilleurs éléments de Cerberus. Enfin, les meilleurs petits monstres de Cerberus. Avec les Atlas, bon, je trouve que le fantôme fait beaucoup plus de dégâts, il est beaucoup plus précis en plus. C'est ça qui est dommage, hein. Parce qu'il fait hyper mal, mais vraiment. On peut pas sauter ici. Si on peut. Mais on peut monter là-haut, donc on va explorer quand même. Oula, il y a un peu de cadavres. Qu'est-ce qui se passe ici? On a vu si c'était de l'autre côté, mais bon. S'il y a des trucs, bon, on s'en fiche. Go, les amis, excusez-moi pour ce mini détour qui ne servait absolument à rien. Donc, alors, on va sauter. Oui, donc je vous disais, les fantômes, ouais, en fait, ils ont. Oh, non. Voilà, bon, vous allez voir si je me fais tuer. Regardez sur leur main droite, ils ont des sortes de mini-guns, mais hyper puissants. Mais. Waouh, 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 vous avez vu, il m'a retiré mon bouclier en 2 secondes. Tiens, il shot là. Boum. On va la canarder là. Faut pas qu'elle avance. Putain, elle essaie de se barrer. Ouh. Voilà, on l'a eu, les amis. Franchement, heureusement, on remercie le chakram. Hein. Voilà. Boum. Parce que si j'avais pas le chakram, je pense qu'avec l'Avenger, j'aurais quand même un peu de mal. L'Avenger, c'est tout simplement, pour ceux qui ne me suivent pas, c'est l'arme de base de Shepard. C'est la petite mitrailleuse qu'on voit dans la pub officielle. C'est celle qui contrôle tout simplement habituellement. Alors, on est sur un balcon. Oula, ça a l'air assez bizarre. Y'a rien derrière, on a rien raté. Sauvegarde en cours. J'espère qu'à la fin de la mission, on se bat contre ce petit ninja là. Parce qu'il commence sérieusement à nous briser les fesses. Hein. Oula, c'est un peu cassé hein, ici. Y'a rien. Oh, j'ai failli rater quelque chose. Des crédits, bien évidemment, 6000 crédits. Je pense qu'avec les crédits, il faudra qu'on pense à s'acheter quelques armures, enfin, quelques équipements, quelques trucs tout simplement. Oula, l'Atlas. Bon, on va vite le dégommer, comme d'habitude. Hein. Ça commence à être répétitif. Voilà, on charge le lance-chakra, mon canard. Ouah. Oula, ils ont vu le ninja, si vous avez bien négligé. Le truc. Oh là là, ça va dans l'arbre le truc. Ah bah c'est bon, il est mort. Bah voilà. Vous avez dit que c'était rapide. Voilà. Voilà. Un petit HE. Boum. Boum. Alors que les amis, à la citadelle, franchement, à mon avis, ça va être assez long parce que. Bah c'est la citadelle, hein. C'est le plus grand endroit de Mass Effect, je crois. Oula, si ça fait ça, ça veut dire que ça charge. Alors, on va le tester. Oula. Je ne la sens pas, les amis. On a tous des... Le ninja. Attends, il faut qu'on lui trouve un surnom, quand même. Comment on va l'appeler? On va l'appeler... Donatello, je pense. Le mec, c'est une tortue, c'est un ninja, il fait des trucs de ouf. Putain, on est encore... Dans l'ombre, les amis. Okay, je suis dans la cage. Oh là là, c'est quoi ça? Ça passe quoi là? Ah oui, d'accord. Ok, c'est un ascenseur. On va se faire écraser. Bien vu. On se fait écraser. Mais j'aimerais bien la bousiller. Comment je la bousille? Voilà. C'est chaud là, les amis. Je. Comment on l'arrête? Bon, c'est bon. J'ai l'impression que c'est infini en fait. On va juste se faire attaquer. Quoi? Mais comment ça se fait qu'il y a des fantômes ici? Le truc complètement impossible. C'est bon, lâche. Arrête. Aïe. Oh. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est impossible, vous êtes d'accord, les amis? C'est physiquement impossible de faire ça. On dirait que le mec qui est dans l'ascenseur fait exprès d'arrêter l'ascenseur à chaque étage pour qu'on se prenne des douilles. Et comme par hasard, il y a des mecs de Cerberus à cet étage. N'importe quoi. Oh, mais Donatello, il faut qu'il se cache.
C'est un ouf le mec. Le mec a sauté dans un autre ascenseur. Putain, en résumé, c'est le fugitif. Franchement, ce sera le premier véritable vrai boss. Oula, il y en a au-dessus. Oh punaise, ils font des sauts. Voilà, bon, à mon avis, c'est grave facile de les tuer. Bon, pour mon abonné, bon, je te l'avoue, là, ça commence à chauffer un peu. Ça commence à être assez dur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on a sauté. Vous avez senti? Des tireurs, baissez-vous! Non, Ashley, c'est nous! Allez! Ashley, tu es de retour? Megan Fox est de retour, les amis! Je pensais qu'elle était morte. Waouh, avec ses becs. Son beau boule, hein. Elle s'était fait attaquer par la Fatou. Hein. Que tout le monde retourne à l'ascenseur. J'espère qu'on va se revoir. Shepard ? Voilà, Megan Shepard Fox. Nous empêche de fuir. Il est avec Cerberus. Armes à terre, tout le monde. Vous n'êtes pas en position de décider. Dites ça, mon flingue. Vas-y, R1, animation. Vous croyez que je ferais ça si je n'en étais pas sûr à 100%. Oudina est derrière tout ça. Le conseiller Galarien l'a confirmé. Heureusement que j'ai fait l'animation, les gars. J'ai pourtant la preuve du contraire. Voici le conseiller Péchil se faisant assassiner dans le QG du SSC. Si j'avais rien fait, qu'est-ce qui serait passé? Vous allez le payer très cher. Oh! Ce qu'il vous faut de plus. C'est le bah arrête à... Shepard. J'ai besoin de certitude. L'ascenseur derrière nous est rempli de soldats de Cerberus. Si vous ouvrez cette porte, ils vous tueront tous. Mais le mec a traversé. Mais c'est un traître! C'est lui! Probable, mais possible. On n'a pas le temps de disserter. Si nous restons ici, nous sommes morts. Je lève le confinement. Et si j'avais rien fait, qu'est-ce qui s'était passé? Rengainez votre arme, soldat. Ash. Merde. Conseiller, la porte! Arrête, Ash. Je fais quoi? Je tire? Oh punaise. Si j'avais fait R1, il s'était passé quoi? Ce serait passé quoi? Oh punaise les amis. Ah c'est bon, on l'a juste blessé. Ashley. Bon sang, Ash. Il était avec Cerberus. Vous aussi. J'espère que les moissonneurs vous enverrons en enfer. Mais si j'avais fait... Ah putain, les amis, là j'ai un peu le seum. J'espère qu'elle va pas mourir. Commandant! Reculez, je vous couvrirai s'il passe la porte. Attendez, attends. C'est limite sa meuf. La porte! Et il la laisse par terre. Oh punaise. Elle est? On a fait aussi vite que possible, Shepard. On dirait bien que vous avez tout réglé. Alors c'est vrai, nous étions en danger. Mais je ne comprends pas. Vous disiez que Cerberus était là. Oula, je crois que j'ai fait une connerie, les Mais amis. Leurs troupes ont filé dans les tunnels des Veilleurs quand ils ont su que nous arrivions. Navré, conseiller, j'irai droit au but. Shepard vous a sauvé la peau. Alors je vous suis redevable, Shepard, pour nos vies et pour l'accord entre le Primarch et le Krogan que je ne parvenais pas à obtenir. Votre vie a été chèrement payée. Shepard, il a tué sa meuf. Cerberus ferait une chose pareille, à votre avis? J'en sais rien. Mais je compte bien trouver. Très bien, les gars. Les grands ponts sont évacués et nous avons un tunnel et 1000 autres endroits à nettoyer. Bougez-vous. Je comprends pas pourquoi on l'a tué, en fait. On peut pas aller lui parler, faire quelque chose? C'est quoi, ça? Ouf. Oh là là, je suis sûr si j'avais fait R1, les amis, elle aurait été en vie. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Le Conseil contrôle toujours la citadelle, et Oudina est mort. Oudina était sacrifiable. Et maintenant? Putain, on dirait Bill Gates, mais... D'autres plans sont en branle. Je vous en dirai plus à votre retour. C'est lui, Cerberus. Je suis surpris que vous ayez laissé Shepard vous battre, Leng.
Ça ne se reproduira pas. Nous verrons. C'est quoi ce bordel? C'est un ouf le mec. Donc bah les amis, il y a eu quand même un gros carnage. Hein. Je suis pas sûr que la mission soit terminée. Mais je trouve que... Waouh, ça fait mal. Hein. Arbitre. Oh punaise. Je crois que j'ai fait un vieux choix. On l'a pas connu longtemps hein, quand même. Mais je crois que dans... À ce qui paraît, enfin c'est Utsugo qui m'a dit ça, un membre de la team Heavy Genius, qui a joué à Mass Effect 1 et au 2. Et à ce qui paraît, dans le 2, Shepard aurait couché bah, avec la meuf qu'on a tuée tout à l'heure. Donc, enfin, le manque d'émotion, enfin, BioWare, je trouve, n'a pas assez insisté sur les sentiments des gens, en fait. Dans cinématique, je vous le laisse. Votre copain de chez Cerberus s'est volatilisé. Ce sont des tunnels, exact. Juste une entrée et une sortie. Non, ce tunnel des veilleurs mène du hall des ascenseurs vers une superstructure. Une fois dedans, c'est comme visiter une fourmilière. On ne connaît même pas son identité. Il a lâché une IV dans le réseau de la citadelle qui a effacé toute trace vidéo de lui. C'est sûrement comme ça qu'Oudina a pu avoir si vite des images trafiquées de vous. Qui que ce soit, c'est un pro. C'est un être comme vous et moi. Il commettra une erreur. J'espère être là pour le voir. Beaucoup de braves gens sont morts aujourd'hui. D'ailleurs, non, il faut que j'aille voir les blessés. Faites attention à vous, Shepard. Depuis quand la citadelle se fait attaquer comme ça, c'est ça que je comprends pas. Donc bah voilà les amis, on est dans la citadelle. Je pense qu'on va terminer l'épisode bah ici tout simplement. Donc alors, si toi t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à commenter cette vidéo et à la mettre en favori si ça t'a fait plaisir. J'ai vraiment besoin de soutien hein, parce que je veux pas être tout seul à défendre la galaxie, j'ai besoin d'aide. Donc t'as intérêt à m'aider tout simplement. Donc allez, j'espère que ce 9e épisode de Let's Play Mass Effect 3 t'a plu. Donc je te dis à la prochaine et ciao, prends soin de toi.